prenez un studio avec son décor. Bonjour. Plongez-y une grande et une petite personne qui ne se connaissent pas. Bonjour. Laissez mijoter une petite heure. Pourquoi vous ne parlez pas ? Si la grande personne est célèbre et si la petite ne l'est pas, le résultat n'en sera que meilleur. Vous avez l'œil qui flanche. J'ai beaucoup... Il est très majestueux. Il flotte bien dans la direction du vent. Je vois plutôt à ce qui correspond. À ce qui correspond. Au décor. C'est-à-dire. Ce plat est naturellement pimenté. Alors, si vous êtes si sûr de vous de penser quelles questions que je voudrais savoir, dites-moi quelles questions vous croyez que je vous aurais posées. Alors... Vous voulez dire quelque chose ? Oui. Vous avez une gueule de métèque. De métèque ? Voilà. Mais alors, en gros... Ce qui est génial, c'est que je suis tombée juste, ce qui est quand même un truc extraordinaire, ne sachant pas la signification du mot. Une quinzaine d'années plus tard, recommencer avec les mêmes. Cette fois, ajouter du piment. Les nouvelles grandes personnes, Olivier Todd et Sophie Gallo, une grande réussite culinaire, mitonnée par Jean Frappa et servie par Michel Hermant. La 7. Prenez un studio avec son décor. Bonjour. Plongez-y une grande et une petite personne qui ne se connaissent pas. Bonjour. Laissez mijoter une petite heure. Pourquoi vous ne parlez pas ? Si la grande personne est célèbre et si la petite ne l'est pas, le résultat n'en sera que meilleur. Vous avez l'œil qui flanche. J'ai beaucoup... Il est très majestueux. Il flotte bien dans la direction du vent. Je vois plutôt à ce qui correspond. À ce qui correspond. Au décor. C'est-à-dire. Ce plat est naturellement pimenté. Vous voulez dire quelque chose? Ouais. Vous avez une gueule de métèque. De métèque. Alors, si vous êtes si sûr de vous de penser quelles questions que je voudrais savoir, dites-moi quelles questions vous croyez que je vous aurais posées. Moi, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Tu penses que ? On s'est bien débrouillé. Une quinzaine d'années plus tard, recommencer avec les mêmes. Cette fois, ajouter du piment. Je te trouve, moi... Les nouvelles grandes personnes par Jean Frappa et Michel Hermant. Bienfaits d'Aristote et retrouvailles délectables, celles d'Alain Cuny et Claude Lemeur. La 7. Prenez un studio avec son décor. Bonjour. Plongez-y une grande et une petite personne qui ne se connaissent pas. Bonjour. Laissez mijoter une petite heure. Pourquoi vous ne parlez pas ? Si la grande personne est célèbre et si la petite ne l'est pas, le résultat n'en sera que meilleur. Vous avez l'œil qui flanche. Il est très majestueux. Il flotte bien dans la direction du vent. Ce plat est naturellement pimenté. Vous voulez dire quelque chose ? Ouais. Vous avez une gueule de métèque. De métèque ? Alors, si vous êtes si sûr de vous de penser quelles questions que je voudrais savoir, dites-moi quelles questions vous croyez que je vous aurais posées. Je vois plutôt à ce qui correspond. À ce qui correspond. Au décor. C'est-à-dire. Au fond, pourquoi on accepte ça ? Une quinzaine d'années plus tard, recommencer avec les mêmes. Cette fois, ajouter du piment. Il y a quelque chose de... Les nouvelles grandes personnes par Jean Frappa et Michel Hermant. Le loup a grandi, le petit chaperon aussi. Henri Cueco et Sophie Lefebvre. La 7.